Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode d'Ultra Pixelmon saison 4, Pixelmon Legends. Et aujourd'hui on va commencer à build l'arène, enfin. Alors j'ai récolté beaucoup de ressources, la majorité est là, mais j'en ai encore énormément ailleurs. J'ai encore fait des pas mal de comment ça s'appelle, de storage drawers qui sont dans la base, que j'ai récupéré au fur et à mesure du build, notamment rempli de verre. Donc voilà, mais j'ai des ressources en quantité assez astronomique. Par exemple le quartz, j'en ai 26 000 je crois, et j'ai du verre jaune, pareil, à peu près 26 000 de verre jaune. C'est assez astronomique les quantités de blocs que j'ai pour certains matériaux. Mais du coup, aujourd'hui, on va commencer cette construction en timelapse comme d'habitude. Donc ça sera sûrement un épisode beaucoup plus court, puisque le timelapse va me prendre énormément de temps. Mais voilà, on va essayer de faire un truc sympa. Je verrai, ce sera peut-être en deux parties, peut-être en une, en fonction du temps que j'aurai pris à build le truc. Puisque ben, si je prends plus d'une journée, je ne pourrais pas faire un épisode pour... L'épisode ne pourrait pas sortir si je le prenais plus d'une journée. Donc je verrai en fonction du temps que je vais prendre à build. Et puis voilà, donc sans plus tarder, je pense qu'on va commencer. Et une fois qu'on aura fait ce timelapse, on ira, je pense, capturer... Tac, 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 c'est dans mon epic backpack. On ira capturer, je pense, notre ami Sulfura, puisque j'ai tout ce qu'il nous faut pour lui. Mais voilà. Bon, sur ce, eh ben, c'est parti pour le jeu. C'est enfin fait, j'ai enfin fini de build mon arène. Alors il restera une petite annexe tout en haut que j'essaierai de build sûrement dans le prochain épisode. Il faut que je farme encore pas mal de verre jaune puisque c'est une arène électrique tout simplement. Mais voilà, en gros l'arène, alors je vais réactiver le son, hop voilà. Mais ouais, en gros il y a une antenne et au-dessus vous verrez, je vais mettre
un espèce d'éclair. Vous allez voir, c'est pas mal badass. J'ai déjà fait, j'ai déjà designé. C'est sur ma schématique. Il faut juste que je récolte les ressources. Mais voilà, l'arène sinon est faite. Donc l'idée c'était d'avoir un gros, comment dire, un gros bâtiment central. On va arriver par là. Faudra que je fasse un petit escalier, je pense. Mais l'arrivée sera normalement par là. Et en fait, le bâtiment, c'est un espèce de point central de toute la ville. Et l'idée, c'est qu'on est en fait dans, enfin, autour de cette arène, plusieurs petits builds. C'est surtout décoratif, ces builds, enfin, ces buildings, et qui permettent en fait de faire genre en fait l'arène, c'est le centre. Et en fait, entre chaque building, on a une espèce de route. Voilà, par exemple ici, on va avoir une route qui va pouvoir accéder par là-bas. Je mettrai sûrement un lien vers ça. Ensuite, après, on a encore, hop, plus loin, une autre route qui va permettre d'accéder, bah, du coup, ici à la base, par là. Donc, il y aura sûrement un truc qui descendra par là-bas. Hop, 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 on fait le tour. Ici, une autre route qui permet sûrement, enfin, je sais pas ce qu'on mettra par là, mais on pourra sûrement mettre un petit bulle par là, genre un centre Pokémon. Voilà quoi. L'idée en gros, c'est d'avoir ces différentes routes qui permettent d'accéder à différents endroits de la base. Alors ici, ça accède surtout à une montagne, donc il n'y a pas grand intérêt. Et voilà. Et tout autour aussi, j'ai mis des petites structures avec des arbres, des petits piliers avec des arbres, pour avoir un petit côté bah, végétal. C'était l'idée qu'on avait de base avec Antar, hein, c'était d'avoir une ville assez végétale. Alors ici, on peut pas passer. Alors le problème, c'est que j'ai voulu faire des builds entre l'arène, et ça fait que j'ai dû. Ah, j'ai plus de gravier sur moi. Il y a un petit problème là. Un petit problème de design. Mais ouais, ça fait que du coup, j'ai dû faire des choses assez serrées, des couloirs assez serrés. Donc voilà. Et toujours à l'extérieur. Donc de chaque côté, l'idée c'était d'avoir des espèces de petits piédestals. Et vu qu'on a une arène électrique, moi ce que je voulais mettre, c'était par exemple mettre un Raikou. Je pensais mettre un Raikou. Et un Régé, l'équipe, t'es tout en haut. Mais là, je pense qu'on va pouvoir mettre un petit Raikou. Et j'ai absolument aucun bloc. Je crois que j'ai tout enlevé. Ah non, j'ai un peu de bloc de bois. On va récupérer tout ça. Hop, on va monter. Et du coup, on va mettre un petit Raikou ici qui regarde par là. Hop, Raikou. Mettre à jour. Et du coup, l'idée, je pense qu'on va la mettre en pierre. Comment on peut faire? Faut que je trouve une position qui est bien au repos. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il rugit à un moment? En vrai, il est bien là comme ça, je pense. On va aller faire la même chose de l'autre côté, du coup. Petit Raikou, hop, et ouais, sûrement un Régieleki qui est en haut, je verrai. Mais ça, du coup, ouais, j'ai demandé si des gens voulaient des chisels. Bon, j'ai demandé un peu tard, mais il y en a qui ont dit oui. Au final, je crois que personne ne les a utilisés. Mais au moins, hop, nous on va les utiliser et ça permettra de décorer un peu. Et faut pas en mettre trop parce que si on en met trop, ça risque d'être laggy. Hop, on va mettre un deuxième texture pierre, et voilà, hop, ça a donné, ça fait sympa, je pense. Hop, voilà, on a les deux Raikou à l'entrée. Ici, il y aura le couloir, et du coup, on arrivera entre les deux Raikou. Et au milieu, on a du coup le logo d'arène pour dire que c'est l'arène. Alors, l'idée surtout, c'était d'être. Enfin, que ça ressemble un peu à Régieleki. Enfin, c'était vachement inspiré de genre Régieleki ou ce genre de choses. D'où l'anneau, par exemple, bleu tout autour en vert. Pour avoir un petit truc assez sympa. Alors, l'idée, c'est de faire aussi une espèce de colisée. Donc, pourquoi pas, ici, on pourra imaginer à l'intérieur faire des petites. Petite zone d'achat de friandises ou je sais pas quoi. Si on voit ça un peu comme un spectacle, hop, on va acheter nos petites friandises pour aller voir le match d'arène. Et du coup, on peut rentrer par le milieu et ça donne accès à un second étage. Et ce second étage, hop, voilà, c'est ici. C'est la zone. Alors, ici, on a une partie herbe. Faudrait que je décore un petit peu. Je pense que je mettrai un peu de végétation. J'ai oublié d'en mettre. Mais du coup, ici, on aura de la végétation. Et on a en fait accès à un petit peu. Ici, l'idée, c'est d'avoir des espèces de petits gradins en fait. Et au milieu, on va avoir la zone de combat. Et de chaque côté, les accès pour les deux dresseurs. Et du coup, hop, quand on est dresseur, on a accès par ici, par exemple, à la première zone de combat et par là-bas à la deuxième, et d'ici on peut jeter notre Pokémon sur la plateforme. Alors l'idée aussi c'est qu'il y a une zone normalement assez haute pour pouvoir faire un Gigamax. Problème c'est que c'est vrai que là on risque d'avoir des problèmes de type bah il y a un truc au-dessus, donc on verra ce que ça donnera. Mais voilà. Et du coup, comme je disais, c'était inspiré un peu de Régieleki, donc là j'ai essayé de refaire encore un petit peu de système, enfin d'éclairs en fait. Donc voilà, en fait au-dessus il y a une antenne. L'idée c'est que les éclairs qui vont tomber sur l'antenne, donc qui sont pas encore faits, ils réapparaissent ici à l'intérieur de l'arène sous forme bah, de petites étincelles
Voilà. Voilà l'idée. En gros. J'espère que, en tout cas, le timelapse vous a plu. Parce que j'ai un peu galéré à le faire. Je vous avoue. Vu le nombre de ressources qu'il me fallait, c'était très 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 long. Hop, et j'ai pris plusieurs journées à farmer toutes ces ressources. Et le build était vachement long aussi, j'avoue. Hop. Là, je sais pas le nombre d'heures que je dois être facilement en 6 heures, je pense, de build. Je sais pas exactement le nombre. Mais je dois facilement être à 6 heures de build, je pense. Donc voilà. Voilà. Hop. Et l'idée, du coup, ouais, c'est ce que je disais, c'est au-dessus de cette arène. Bon, je vais encore rajouter plus tard bah, une petite partie électrique pour vraiment donner le thème électrique. Hein. Le but, c'est que j'ai une base vraiment thème électrique, vu que c'est mon arène. Enfin, mon type d'arène. Donc voilà. Ça permet d'avoir aussi un deuxième bâtiment, parce que là on avait le poulailler, mais là du coup on a vraiment un second bâtiment qui donne vraiment le thème quoi de la ville. Et je sais pas si je peux peut-être... Hop, on va voler, mais de haut ça rend pas mal je trouve. Hop, voilà. Alors pareil, on a une espèce de... J'ai fait une Pokéball en fait, là on la voit pas très bien, mais j'ai fait une Pokéball sur le toit. Hop, voilà. Ici il y a une espèce de Pokéball avec l'antenne. Et puis pareil, hein, si on regarde de haut, je pense que ça se voit mieux sur la minimap que j'ai faite. Mais en gros, on a une espèce... Enfin, vu que l'arène est circulaire, c'est vraiment, ça rend vraiment bien. Genre, si j'enlève mon Pokémon, je sais pas si je peux l'enlever. Voilà, là ça rend vraiment bien. Alors je tombe, mais ça rend vraiment bien, je trouve. Hop, attention. Je plouche. Mais ouais. Et pareil, du coup, tous les bâtiments autour, j'ai fait des tailles différentes. Mais ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et ça permet d'avoir le bâtiment le plus grand, je trouve, bah, du coup, de mon arène, là. Enfin, de ma ville. J'aimerais quand même voir si je peux rajouter d'autres bâtiments. Parce que là, s'il y en a que deux, bon, c'est toujours pas mal, hein. Mais ça fait que deux bâtiments. Donc, si on peut rajouter, on verra. Ça peut être cool, quand même. Mais voilà. Pour cette arène, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Et c'est pour ça que l'épisode va pas être très très long. C'est parce que ce build m'a pris vraiment, vraiment beaucoup de temps. Du coup, ça c'est fait. Et donc, vu que j'ai fait l'arène, je vais pouvoir avoir le Gigamax. Ça, c'est une bonne chose. Hop, enfin, je vais avoir le Gigamax, mais j'ai pas les trucs pour faire Gigamax. Et donc, ça sert pas à grand-chose en vrai. Mais voilà, je vais l'avoir. Mais en tout cas, c'est cool. Alors là, du coup, je vais voir. Je sais pas si on a découvert. Si le serveur a découvert un shrine de Sulfura, c'est la question que je me pose. Je vais vérifier s'il y en a un qui l'a trouvé. Et s'il y en a un qui l'a trouvé, on va essayer de capturer Sulfura. Alors malheureusement, a priori, personne n'a découvert le shrine. Donc il va falloir que je fasse pas mal d'exploration. Et j'avoue que pour aujourd'hui, ça risque d'être compliqué. On va arranger ça là. D'ailleurs, j'ai retrouvé une Master Ball, donc ça c'est cool, hein, pour capturer un autre Pokémon. Ça c'est pas mal. Mais ouais, pour aujourd'hui, je pense pas que je vais essayer de rechercher le shrine. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans l'ancienne base. Et on va se crafter pour une bonne fois pour toutes l'item de Zekrom. Parce que j'ai toujours pas craft. Alors, c'est dans cette base. Hop, on arrive, c'est ici. Bonjour, bonjour. Il y a 50 personnes. Alors. Où est-ce que j'ai tout mis? Ok, il me faut ça, il me faut ça. Il manque toujours un morceau de disque. Alors là, il y a des items, je pense, à y récupérer chez d'autres joueurs parce qu'ils jouent plus. Je pense que ça peut être bien. Et du coup, Zekrom, c'est type électrique. Donc il me faut les joyaux électriques. Ok! Et du coup, c'est parti. Donc c'est la Black Orb, je suppose. Blackstone, Black Orb. Non, même pas. Orbe. En fait, c'est le galet, je crois, mais le galet, je sais pas le nom. Le galet. Le galet. D'où le galet? Ah, le voilà. Le galet. Bim. Darkstone. Et le voilà. Et lui, il faut que je tue 100 Pokémon Dragon. Ah oui, ça va prendre un petit moment quand même. Pour les Pokémon Dragon, où est-ce que je peux en trouver? Je pense que le mieux, ça va être les Extreme Hills. Parce que sur les Extreme Hills, c'est là où il y a des Dryels, ou ce genre de choses. Et je sais d'ailleurs qu'en regardant sur PokéRP, en fait, il y a un biome qui permet de faire spawn que des Dryels. Alors, faudrait que je retrouve, mais c'est... Je crois que c'est dans les biomes de type Mycélium, en grotte, il n'y a que des Dryels qui spawnent. Du coup, bah, en fait, tu as forcément 100% de chance de dragon. D'avoir des dragons, donc ça peut être intéressant. Je verrai, je vais garder ce shrine, enfin comment, cette orbe sur moi, mais ça c'est cool. Et puis voilà, et ben en vrai de vrai, qu'est-ce que je peux faire? En vrai de vrai, j'ai pas forcément grand-chose à faire. Je vais prendre le shrine là, enfin le TP. On va voir si on peut aller se TP dans une base.
où il y a des Pokémon cool. Donc Goldon, je me souviens à peu près de son arène. Lordon, je sais qu'il avait. Ouais, c'était pas mal. Ouais, c'était de la glace, c'était pas forcément très intéressant à explorer. On peut aller par là, mais. Parce que là, je voulais chercher un peu un biome qui peut être intéressant à explorer, mais biome glace, c'est pas forcément le plus intéressant, j'avoue. Glacier, là. C'est vrai qu'il fallait que je recherche les Rusty Fragments. C'est ce que je m'étais dit aussi. J'ai commencé à aller chercher, j'en ai chopé un, mais c'est giga long. Du coup, faudrait que j'en récupère à l'occasion des Rusty Fragments. On va peut-être pas aller par là, en vrai. Ça va être pas fameux. Ah, je sais ce qu'on peut faire. Que pour ne pas faire évoluer nos Pokémon là, enfin notre forme spéciale. Hop, on va le faire évoluer lui. Je crois qu'il faut qu'il apprenne une attaque par contre pour évoluer. C'est vrai que j'ai pas de Shiny. Complètement zappé, mais apparemment j'ai pas de Shiny. Comment je peux faire? Le mieux je pense que c'est de faire ça. Ça. Et c'est Swinub. Slash PWiki Swinub. Quel niveau il évolue le monsieur? Évolution. Niveau 33. Ok, niveau 33. Et après, lui, il évolue quand il apprend Ancient Power. Ça roule. Et ben, c'est parti. On va le faire monter niveau 33 rapidement. Ça devrait pas prendre trop longtemps. Et voilà, je suis à l'arène. Et pendant que je suis arrivé à l'arène, et ben, il y a une giga. Une distorsion là. Distorsion spatio-temporelle là, qui a spawn. En vrai, c'est peut-être le moment d'explorer ces trucs là. Est-ce qu'il y a vraiment des Pokémon intéressants là-dedans? Ok, on est dans la distorsion. C'est complètement buggé. C'est-à-dire, c'est complètement buggé ce truc. Hein. Oh, regardez ce qu'il y a là. Ça, c'est ce qu'il y a de spawn. Ok, c'est un. Ouais, pierre ovale, j'avoue. C'est pas fameux. Ouais, en fait, le problème de ce truc, c'est que déjà, tu le vois pas partout. C'est tellement buggé qu'il faut baisser le regard pour pouvoir le voir. Et il est censé y avoir des Pokémon qui spawnent, je crois. C'est quand même vachement nul. Ça a le mérite d'exister, quoi. Mais là, il n'y a même pas de Pokémon qui a spawn. C'est quoi ça? Des Super Balls. Peut-être je vois. Ah, si, y a... ça c'est un Pokémon qui spawn dans les failles, je pense. Ce sac de nœuds là. Ouais. Enfin, ce boule de nœuds, du coup. Ah, juste, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, on va enlever ça et je voulais envoyer directement Supreme Hub. Et là, je vais changer, comme ça, il va gagner masse XP. Mortel, et bim. Et là, il devrait gagner pas mal d'XP. Il a même pas gagné un niveau. C'est ridicule. Ridicule. Et sur la map, je vois pas de Pokémon bien fameux. Hein. Genre un starter ou quoi, non? Ça aurait pu être sympa là. Ouais, un peu décevant hein, les failles distorsion, je sais pas quoi là. Hein. Bon, on va aller dans l'arène, je pense. On va aller dans cette arène, d'ailleurs, je sais même pas si on pourrait la battre, mais si on peut la battre, ça peut être cool. Je pense pas, j'avoue que ma team est pas encore fameuse. L'idée c'est surtout. Mais je crois que je suis déjà allé dans cette arène, hein. Je suis déjà allé dedans, en effet. Oh, ça marche très pas. Bah, ça marche pas du tout, ça. Hein. Hop, on triche. Niveau 15? Le champion niveau 15? Mais c'est ridicule. Ok. Et eh ben, on va go gagner. Hein. Hop. Trop fort. Trop fort, Marc Acrin. Hop, Marc Acrin, éclat glace. KO. Marc Acrin, éclat glace. Marc Acrin, éclat glace. Ok, en plus c'est ce heal. Oh le nul. Wow, tu tues pas Marc Acrin par contre. J'ai rien pour le heal. Soit en PV, j'ai rien. Ah non! Eh! Comment ça je peux pas changer de Pokémon? Ah non, il a tué Marc Acrin, le Cringos. Très bonne idée ça. Envoyer un type électrique contre un type sol. Excellente idée. Ébrouhaha, et qui me permet d'obtenir un badge. Incroyable. J'ai gagné un badge. Ok, bah l'arène était bien nulle, hein. Franchement, pas fameux. Je suppose qu'on a toujours rien là-dedans. Rien qu'à spawn.
Ok, et ben petit flop cette arène, petit flop. Je pense qu'on va retourner au spawn et on va essayer d'aller dans une arène un peu plus stylée. Et ce qu'on va faire, c'est que sinon on va aller dans l'ancienne base, enfin l'ancienne, ouais, l'arène où j'étais en train de pex en fait à l'époque. Wow. Il y a des gros lags. Hippodocus. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, lui, il va me faire pex. Hippodocus là. Il me fait pex de fou, non, frérot? Ah ouais, tu fais mal. Non, pas du tout. Ok, niveau 25. C'est toujours pas fameux. Wouah, il est trop stylé ce guerrier aigle. J'ai trop envie de le choper. Ouais, j'ai trop envie de le choper. C'est un des nouveaux Pokémon, j'ai trop envie de le choper. Et vous savez quoi? On va aller choper. C'est parti. Ce guerrier aigle. Ça va bien, mon pote. Il doit être en plus très haut level. Donc c'est parfait. 57! Ah ouais! Ah ouais, il déconne pas le poteau guerrier aigle. Hein. Il est trop beau, hein. Je trouve que, en vrai, cette version 18 est incroyable, en vrai. Je trouve vraiment que c'est une des plus belles versions 18. Ce guerrier aigle. Qu'est-ce que je peux utiliser? Sabotage. Il est type psy, je crois. Est-ce que je le tue si je fais ça? Je l'ai tué. Nul. Pas du tout ce que je voulais faire. Flop. Le flop. Bon. Pas tout ça, hein. Mais Swinub, il faut qu'il ait XP un peu, hein. Alors, si je dis pas de bêtises, il y avait plusieurs dresseurs que je pouvais battre. Et parfait, lui, toi mon ref, toi je vais te fumer. Hop, et là, tempête d'air. One shot. Ah ouais, voilà, bah ça a bien fonctionné en plus. Hop, là, fuite. Parfait. Et cette strat est incroyable, bien sûr, hein. N'hésitez pas à la recopier chez vous. Hop, change mon attaque. Bim, et là, tempête verte. Et voilà! Hop, mon swimmer évolue. On va voir ce qu'il va donner notre version spéciale, là, la seule qu'on a. Non mais par contre c'est une catastrophe, hein. D'habitude les saisons, je chopais 50 shiny, 50 formes spéciales. Enfin non, les formes spéciales non, parce que c'est une nouveauté de la saison. Mais les shiny, j'en ai pas trouvé un seul. Hein. Enfin si, j'ai trouvé Exagel, ouais. Ok. C'est ok, c'est ok. Slash PWiki, Piloswine. Comment il chope son attaque lui? Ancien Power niveau 1. Faudrait que je trouve un maître des capas, je crois. Un maître des capacités, je crois qu'il y en a en spawn. Donc on va aller au spawn. On va utiliser le maître des capas. On va récupérer l'attaque et on va le faire évoluer en sa forme finale. En vrai de vrai. Je sais plus c'est quelle maison. Je sais qu'il y a une maison qui a un maître des capas. Question c'est laquelle. Bonjour! Je cherche le maître des capacités. Je crois qu'il est dans ce bâtiment. Bonjour. Vous êtes le maître des capacités. Je voudrais apprendre ancien power. Merci. Et du coup, on a combien d'XP là? Ok. Je pense qu'il. Ouais. En vrai, peut-être un ou deux combats et il évolue. Et on verra sa forme. Bah, sa forme incroyable. Alors là, je peux pas rester ici parce que, en fait, ici, on a mis tous des trucs pour pas que les Pokémon spawn et nous agressent au spawn. Ce qui était, ma foi, une idée relativement correcte. Qui a permis de ne pas se faire agresser en boucle. Et ben, on va aller à l'arène. On va aller faire évoluer ce truc. Ah, attendez, en voilà un. On va essayer de le rechoper. Juste prendre avant. Pas faire la même erreur. On va prendre nos Rapid Balls. Hop. Et c'est parti. Hop, salut mon pote. Bim. Déjà on change de Pokémon. Comme ça lui il chopera l'XP. Sac. Et Rapid Ball. Bon, c'est un peu du troll parce que du coup j'ai utilisé un tour pour rien quoi. Donc ma Rapid Ball va être beaucoup moins rapide. Ouais, c'était un peu du troll. Est-ce que cette fois. Il n'y a plus d'attaque lui. En vrai, je peux le baisser avec Giga Sensu. Bon, ouais, même pas. Hein. Je lui mets tellement cher. Niveau 61, par contre, c'est une dinguerie. Les niveaux des guerriers sauvages. Bravieri là, quel Pokémon en vrai. Il est incroyable ce Pokémon. Je trouve que ce Pokémon est incroyable. Je pense avec la capture, je peux choper assez d'XP pour le faire évoluer. Hein. Et je crois que c'est chopé. Et c'est chopé. Et on monte niveau 34. Donc notre Mamochon, on va l'avoir. Pourquoi je suis si dézoomé? C'est une catastrophe. Parce que j'étais en combat en l'air et vu que je suis tombé, ça m'a fait dézoomer. Ça m'a fait tomber de 3 km là. Et on a notre Mamochon, forme spéciale. Ok,
Si on s'en bat les couilles. Ok, à quoi il ressemble? Bon, en fait, j'ai l'impression que c'est des cornes en glace, quoi. On va dire que c'est ok. J'avoue, c'est pas fameux. C'est pas incroyable. Honnêtement, c'est une forme spéciale. On prend, mais c'est pas incroyable, quoi. Mais on a chopé notre Braviary. Et ça, c'est beau. Parce que c'est un Pokémon qui est vachement beau, quand même. Où est-ce qu'il est? Braviary. Où il est? Il est là. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce Pokémon qui pète le style. Honnêtement, je pense que c'est un de mes favoris. Je trouve incroyable. Hop, allez, on repart à la maison. Allez, on va voler sur notre Braviary, là. Voilà, regardez, il me prend dans ses griffes là. Et voilà. Moi, je pense qu'on va cesser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, l'arène est enfin faite. Ça m'aura pris énormément de temps. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour tout le travail sur l'arène. Parce que ça m'a vraiment pris beaucoup, beaucoup de temps à designer et puis à build surtout. J'espère que le timelapse vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Et puis nous, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de notre série sur Ultra Pixelman. Allez, ciao, ciao, ciao.